Salut à tous. Alors, je vais vous présenter l'entraînement du jour, d'accord? Pour l'échauffement, on va avoir besoin d'une charge relativement légère. En fait, l'idée, c'est de partir ici à 90 degrés au niveau du coude, d'accord? Je lève l'épaule, d'accord? J'ouvre ici et je tends le bras. Je reviens à 90, j'envoie l'avant-bras vers l'avant et je reviens dans cette position. Ok, donc une charge relativement légère mais qui permet de chauffer un petit peu au niveau des épaules. On fait 10 fois à droite, 10 fois à gauche pour ce premier exo. Ensuite, on s'allonge au sol pour faire des hip thrusts, d'accord? Extension de hanche. On sent bien la contraction au niveau des fessiers, d'accord? On maintient la contraction de manière à bien sentir le mouvement. Puis, 5 bear push-up. Ok, donc on rentre la tête, on regarde les pieds. Tac. On pose la tête au sol et on redresse. Donc on adapte l'amplitude en fonction de la difficulté. Donc 20 mouvements d'épaule, 10 hip thrusts, 5 bear push-up. Donc ça c'est l'échauffement, on fait ça 3 fois. Ensuite, un petit circuit, 1 minute de travail, 30 secondes de récup. On a un atelier A, un atelier B. D'accord? Donc, premier atelier, pendant 1 minute, on va faire 4 fentes. Plus push, donc on a sa charge ici collée au buste, on fait sa fente ici, d'accord, et on pousse devant, on revient, fente avant, push, je reviens, d'accord, on fait 2 de chaque côté, on repose sa charge, on a son petit sac à dos ici au sol, on se met dans la même position que les beer push-up, un peu plus bas, d'accord, je vais avancer mon sac, puis j'avance en même temps, en gardant les genoux au plus proche du sol, d'accord? Et sur le retour, je fais la même chose, d'accord? J'envoie mon sac, je change de bras. Donc on fait 10 mètres, d'accord? Donc un aller-retour, 5 mètres aller, 5 mètres au retour. Puis, 20 secondes de gainage, côté. Donc, option 1, c'est ça. Option 2, en étoile, d'accord? En gardant bien l'angle et la structure au niveau des hanches et des abdos. Donc ça c'est pour le premier exercice, donc pendant 1 minute, on enchaîne le maximum de répétitions. Deuxième atelier, donc B. On a toujours sa charge, sauf que cette fois on part bras tendu. Fente plus tirage, je reviens. Bras tendu, fente plus tirage, je reviens. Deux de chaque côté. Ensuite, alligator crawl. Donc, je pars ici, d'accord? Bras droit, jambe droite qui sont collées. Je vais avancer de manière à ce que ce soit l'autre côté qui soit dans cette position, d'accord? Donc c'est l'alligator ou Spider-Man. Voilà, ça travaille également la coordination. Puis, ensuite, petit travail. On va être beaucoup sur la position de bear crawl aujourd'hui. Donc, je suis dans cette position, d'accord? Je vais à une pompe, puis je reviens dans ma position, d'accord? Je repars en pompe, donc je peux poser les genoux au sol, dans l'idéal je les garde décollés du sol, et je reviens dans ma position, d'accord? Il faut être rapide sur la transition, solide au niveau du tronc, au niveau des épaules, donc ça, on le fait pendant 20 secondes. Donc je répète pour le deuxième tour, 4 fentes poule, 10 mètres alligator, et 20 secondes d'enchaînement pro plus BR position. Voilà, on fait 5 tours de chaque atelier, 5 tours A, 5 tours B, en alternant chacun des deux. Donc ça nous fait en tout 15 minutes normalement de travail. Ok, pour le troisième et dernier circuit, ce sera un Tabata de 7 minutes. Donc on va vous mettre le lien pour que vous puissiez suivre les instructions et l'ensemble des mouvements, puisque voilà, vous aurez besoin de matériel, tout simplement une chaise. Donc on a un tapis pour les exercices au sol et un mur. Voilà pour l'entraînement du jour. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.